C'est lundi, bienvenue sur Rire et Chanson et rireetchanson.fr puisque maintenant cette chronique est filmée. Oui. La chance. Oh, magnifique sourire. Pour le casting permanent, pour trouver un mec à Elisabeth Buffet. Permanente. Permanente. Bonjour, alors aujourd'hui, la neige. Oui, tout à fait. Bonjour Philippe, bonjour Pascal. Bonjour Elisabeth. Bien sûr. Alors ça y est, les grands froids sont là. Ouais. La neige a envahi nos trottoirs, mais pas nos slips. J'aime bien la neige. J'aime bien la neige. Je ne suis pas très douée en ski, mais j'aime bien l'ambiance des stations, c'est mon côté mouflon. La dernière fois que je suis allée au ski, je suis sortie avec un moniteur de ski, Gérard, physiquement à l'opposé de Thierry Lhermitte dans Les Bronzés, hein, le vrai bon Savoyard, bien rougeau, bien trapu. En même temps, je ne pouvais pas choper tellement mieux parce que j'avais un total look grizzly, hein, des mouboutes poilues, une doudoune poilue... Attention. Cache-oreilles poilues, des moufles poilues et un slip poilu. Mais à l'intérieur. Avec Gérard, nous avons inventé une nouvelle discipline, le ski-zizi. Ah. Tu descends les pistes en ski et tu remontes en faisant du zizi dans les cabines. Oui. Alors c'est assez acrobatique, hein. C'est un peu Holiday on Ice. Philippe Candeloro peut aller se rhabiller. Alors comme il faisait froid et qu'on disposait à chaque fois de 10 minutes, on enlevait le minimum de fringues, on mettait juste le froc aux chevilles. Et alors avec le froc, tout un petit peu miniaturisé. Hein, comme chaud, hein, Pascal. Ouais. Hein, Pascal. Non mais moi, c'est pas un exemple. Ça c'est comme une maquette, ouais. comme vu de loin. Le trois pièces cuisine de Gérard se réduisait à un radis et deux litchis. Litchi ou litchi, litchi. Pour une fois que je mange des fruits et légumes, c'est mon médecin qui va être content. Moi, j'avais la chair de poule sur les fesses. On aurait dit une vieille cocotte sans plumes sur l'étal d'un volailler, molle, avec des picots. Oh, personne ne veut l'acheter. Ben non. C'est vrai qu'il fait très froid. Gérard a fini avec une stalactite au bout du boob. Et moi, j'avais l'abricot en sorbet. Un granité dans les poils. Bubu on the rocks. Mais il se débrouillait bien, le Gérard. Il a pratiqué le remonte-pente dans mes tuyaux. Il a fait le tire-fesses. Oui, je me suis bien fait tirer les fesses. L'attendait. Oui, bah, évidemment. Il a même fait du hors-piste dans ma piste noire. J'avoue qu'il maîtrisait bien le planté de bâton. Il a slalomé dans tout mon domaine skiable. Bubu 2000. T'es périmé. Non, parce que 2010, l'année de la glisse. Eh bien, bien sûr, à la fin, le canon à neige. Hein ah. Ah oui, avec du sperme en paillettes. En flocon. Distribue des enfants. Ah, ça réchauffe l'antigel. Ça a fini en fondu de slip, en tartiflette de miche. Et évidemment, à force de secouer les œufs, notre cabine s'est décrochée. Non, ça, c'est pas sexuel. J'ai bien compris. Notre cabine s'est décrochée. Heureusement, on n'était pas très haut. On est tombé sur une énorme congère. On a créé une avalanche et on a retrouvé un mammouth congé, dis donc. Oh, dis donc. Ouais, vie de plusieurs centaines de milliers d'années. Et du coup, on l'a appelé Mamie Bubu. Oh, j'étais très fière. Lorsqu'on est enfin rentré à la station, c'est fini au Génépi et au vin chaud cannelle. Je ressemblais de plus en plus au vieux mammouth, qui, si ça se trouve, était effectivement un de mes ancêtres. Donc, vive la neige, vive le froid, vive le vent d'hiver, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Oh, what fun it is to ride!